Black Mirror, c'est un peu une série actuelle sur Netflix qui parle un peu du refus et de la zoophilie. Hein, on apprécie beaucoup la zoophilie dans le premier épisode de la saison 1. Là, d'un coup, dès que je vous parle de ça, ça vous intéresse. Hein, des mecs qui foutent une bite dans un cheval, ça vous intéresse tout de suite. Hein. Alright, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette petite vidéo dans laquelle nous allons faire pas mal de trucs, on va pas se mentir, notamment parler un peu de la série du moment, hein, un peu de Black Mirror. C'est un peu la série qui fait le buzz. C'est-à-dire que jusqu'à un mois, elle faisait environ 37 vues. Maintenant, il en fait 37 millions, voilà, bon, c'était une hyperbole, évidemment, hein. Oui, j'utilise le mot hyperbole en 2017, est-ce que ça dérange quelqu'un, non? Finalement, faut bien que les études servent à quelque chose, non? Je sais pas, Laisse un commentaire pour rejoindre la team Noah, ma cool. Bref, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est Black Mirror, c'est un peu une série actuelle sur Netflix qui parle un peu du turfu, et de la zoophilie, hein? On apprécie beaucoup la zoophilie dans le premier épisode de la saison 1. Oui! Juste que pour ceux qui savent pas, et là d'un coup dès que je vous parle de ça, ça vous intéresse, hein, des mecs qui foutent une bite dans un cheval, ça vous intéresse tout de suite, hein, c'est... Oui, je regarde des séries un peu bizarres, hein. Par contre, pause, c'est l'ouverture des snaps des abonnés en vidéo. Oui, c'est le nouveau générique. Il est complètement plagié de McFly et Carlito. Carlito. Mais qui mute pas du tout. Je te kiffe, est-ce qu'un jour tu pourras faire des vlogs? Peut-être, hein, j'aime bien parler comme ça. Quand même d'avoir ouvert mon snap et rien pour ça, un gros bisou. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'on avait parlé avec Enzorek, un youtubeur d'ailleurs de pas mal d'abonnés, je sais plus combien, mais pas mal. Finalement, ça prend des contacts, ça dérange quelqu'un, non? Hein? Bon, voilà. Bref, donc j'ai rapidement vous parler un petit peu de Black Mirror et surtout du premier épisode qui était finalement un peu pour moi la raison pour laquelle j'ai regardé les 4 saisons en un jour, allez, Bref, donc aujourd'hui je voulais vous parler de ça déjà afin de sucer le buzz de cette série finalement, parce que j'aime beaucoup sucer le buzz, moi c'est une grande passion. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a une femme qui se fait en gros capturer par un hacker, enfin un criminel, voilà, tout simplement. Et ce mec, ce qu'il veut, en échange de libérer la meuf, il veut qu'une vidéo d'une sextape du, je crois que c'était le ministère, ou j'en sais rien, donc un mec hyper important, tu vois, en politique aux USA. Et donc il veut que ce mec poste une vidéo d'une sextape avec un cochon sur, finalement, les médias. Hein, on apprécie finalement le petit dilemme de qualité qui est assez vénère. Je vais pas vous spoiler pour finir s'il l'a fait ou pas, mais voilà, c'est plutôt une intrigue assez, assez spéciale. Franchement, à quoi a pensé le scénariste quand il est arrivé et a proposé ça au directeur? Oui, parce que pour moi il y a un directeur, je sais pas. C'est assez space comme disent les jeunes en 1990, Noah. J'aime beaucoup. Cette vidéo n'a absolument aucun sens. Moi, je kiffe cette série. Allez la voir. C'était juste un petit partage. Voilà. Je suis un mec sympa. Je vous balance une petite série comme ça. Tu prends, tu laisses, tu fais ce que tu veux avec, Nekfeu. Mais dans tous les cas, moi, je vais me remater la saison 4. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'était Noah. Allez, salut! On aime beaucoup le reflet dans les lunettes, oui. Oui, c'est quelque chose qu'on aime ici.